On est parti. Patrick Jagoud, sentier d'auteur, la Jagoud d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Millon. Pierre Millon, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Presque, mais je ne détaille pas, c'est suffisant comme ça. Non, mais je suis depuis plus de 50 ans dans la région et j'ai découvert, pour avoir habité dans un pays de plaine, tout le charme des pays où il y avait un peu de relief. Et donc j'ai découvert à la fois les sentiers de Bretagne et aussi les sentiers des Alpes où je suis venu habiter dès l'âge de 18 ans. Pierre Millon, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? J'étais enseignant, instituteur pour des enfants en difficulté et ça s'est toujours très bien passé. On utilisait les légendes de montagne, tout ça, pour faire un peu de français ou même un peu de calcul. Pierre Millon, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? Mais justement, c'était une expérience d'enseignant. On avait créé, à l'occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution française en 1989, on avait créé des spectacles de théâtre destinés à passer dans les rues de Sallanches au moment des festivités. Et donc, nous, avec les élèves, on avait essayé de faire, de composer des chansons sur le thème, à l'époque déjà, c'était un peu avant-gardiste, de l'écologie et des droits de l'homme. Et donc, on avait fait un CD, c'était une cassette audio, de chansons très poétiques, sur, par exemple, la sauvegarde de l'Amazonie, des tas de sujets dont on parle beaucoup maintenant. Voilà. Et cette idée de cassette audio m'a donné l'idée, puisque je pratiquais beaucoup la littérature de montagne, je lisais beaucoup les romans de montagne, m'a donné l'idée de faire un livre. Et donc, je suis allé taper à la porte des éditions Glénat, qui ont tout de suite été d'accord pour un sujet précis, les randonnées du vertige, qui a eu un énorme succès. Pierre Millon, je crois que vous avez écrit une vingtaine de livres. Oui, tout à fait, oui, à peu près un par an. Pierre Millon, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre qui s'intitule « Face aux géants des Alpes, les plus belles randonnées ». Alors c'est le fruit d'une expérience personnelle, j'ai toujours été fasciné par ces sommets des Alpes, les plus connus, les plus prestigieux. J'ai commencé à les gravir, que ce soit la Meije, le Cervin, le Grand Combin ou le Mont Blanc bien sûr, ou d'autres sommets comme le Viseau, les Écrins. Et j'ai trouvé, comme je commence un petit peu à vieillir, qu'il était maintenant venu le moment de les contempler d'en face, plutôt que du bout de ses semelles. Et donc j'ai conçu un livre où je sélectionne 30 des plus beaux sommets des Alpes, de la Méditerranée jusqu'à la Slovénie, en passant par les Dolomites et le Mont Rose et d'autres. Et donc, comment les contempler depuis des sentiers de randonnée relativement abordables pour le plus grand public. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Pierre Millon intitulé « Face aux géants des Alpes, les plus belles randonnées », publié aux éditions Glénat. Pierre Millon, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup et au revoir.